Nous pour faire par exemple. Et même là encore, ils disent c'est pas payé à payer nous normalement et puis ils retirent frais là dedans encore, retirent taxes. Donc ça veut dire nous prenons l'argent pour demander bonnes conditions de travail, nous prenons l'argent pour demander pour nouveaux bâtiments reconstruits, pour finir avec net, pour nous, prenons l'argent pour demander meilleures conditions nous-mêmes tout pour nous vivre parce que pour nous bien pour nous fonctionner, nous gagnons famille tout. Donc c'est ensemble de revendications ça qui fait nous prendre l'argent. Donc nous connaissons l'hôpital là qui longtemps, il a construit. Et qui ça dit, nous avons fini pour construction de l'hôpital là. Bon, pratiquement, je ne pas capable comme si trop de détails sur lui par le fait qu'il n'y a pas gagné un rapport qui dit maintenant qu'il faut le mettre ça qui manquait. Okay? Mais cependant, comme pendant la formation, nous avons descendu, je pense qu'il n'a bien temps pour moi tout ça qui manquait et puis pour garder la réalité, ça n'a pas été. Donc, marche aujourd'hui, nous sommes dans l'hôpital là, qui va arriver là? Si c'est un bagage, par contre, parce que nous sommes en enquête. Marche là, dans le comité organisateur, là, on. Mais est-ce que, ensemble, revendication, ça, ou bien mouvement, ça, il a continué jusqu'à ce que nous ayons une satisfaction? Pour ça, nous sommes obligés, nous avons souffert, mais pour préférer une québelle, mais nous portons un changement radical, donc pour ça, qui est, nous va souffrir nous-mêmes. Nous-mêmes, nous avons souffert. Est-ce que si nous disons que, ok, nous avons fait mes jeunes sur ça pour nous avancer, mais non, nous sommes obligés de rester là pour répondre nous et comme ça, pour une condition pour nous travailler. Parce que ce n'est pas belle pour nous arriver dans le niveau ça et résidence, et puis pour nous quitter l'étude, ce que ça a été nous pour nous aller dans Biden. Est-ce que vous comprenez? Donc nous ne va pas dire, nous avons prêté là, pour une bonne condition, et nous avons prêté dans la mobilisation là, jusqu'à ce que nous répondons avec les mobilisations et pour continuer à être placés normalement. Nous avons dit que c'est résident seulement qui est dans l'arrière là ou bien? Non, pas résident. Donc, il y a excellent dans tout, excellent c'est étudiant facultant, donc surtout parce que l'avenir c'est pour eux tout, donc et puis avec ensemble de résidents et puis internes. Mais cependant, nous invitons la population, les jeunes, parce que le plan c'est pour lui, il n'y a pas de groupe pour l'année privée, mais c'est l'hôpital général qui vient, donc nous invitons pour rejoindre dans le plan, et puis comme ça pour nous capoter, voir nous plus loin, et comme ça pour nous répondre avec les revendications, nous avons beaucoup de population. Ok, merci beaucoup, merci. Pour ce camion doit passer chaque jour. Menace à faire, c'est qui ça le dit. Des fois, appel anonyme, nous n'avons pas parlé alors qu'on doit poser pour toute qualité d'intimidation qu'on connaît pour la faire. Donc, je l'ai dit à nous remarquer en pile et médecins dans la rue. Expliquez-nous les raisons que nous dans la rue là. C'est même raison nous venons depuis jeudi à qui fait 1 mois, 14 jours. Bon, condition de travail. Condition de vie résident dans la résidence là. Et puis, l'État cap ban nous, moins que 406 gouttes là. Pour qui ça me dit moins, je ne peux pas remarquer des pancartes qui écrit 406 gouttes. Et moi-même, je dis moins. Je dis moins parce que l'orité taxe l'État prend, alors que le pas de prendre taxe, pour sortir dans 406 gouttes, pour tomber dans 375 gouttes pour résident 1. Et on a parlé de plus gros l'hôpital de pays. J'en connais, qui malheureusement de nos jours, si nous avons pour nous, c'est nous à la portée. Ça pour la population qu'on est. En début de tout problème, l'hôpital général qu'on est. Il quand même été centre hospitalier côté population qui pite de à côté sur lui. Il a été centre hospitalier qui vient de spécialisation qui va. Côté l'autre, l'hôpital public, il malheureusement pas continué. On a parlé de ORL qui se spécialise sur elle. Mais à cause, et puis on partit dans le coup. On a parlé de ophtalmologie, de TGO. On a parlé de service à Napat qui a suffi. À Napat là, c'est spécialité. Toute masse ou retirée dans le corps pour analyser pour connaître si le cancer ou bien si l'autre masse. Et on a parlé de l'hôpital qui concentre la dialyse. Malgré protestation, nous n'avons pas touché service à eux. Nous quittons la dialyse avec PVVIH à fonctionner. Parce que nous ne savons pas de faire les frais. C'est de cas urgent. Mais malheureusement, il n'y a pas qu'à fonctionner pour le courant. Tout à l'heure, là, c'est ton patient qui a dit, il était pensé, ça ne t'a pas fait bon, mais finalement, il nous raison parce qu'il finit avec pas un lit, qui n'a pas qu'à dialyser, peut-être pas de l'eau, peut-être pas de courant. C'est de ça qu'on a revendiqué. On a revendiqué un hôpital qui était sous l'obédience, un paquet de dirigeants, mais qui est un gros hôpital qui a fonctionné, qui est ascenseur. Et ma petite vidéo, on a le web gros l'hôpital à l'Union, qui a bien fonctionné pendant l'hôpital général en Chine. Thank you. général, hôpital général, Thank you. Expliquez-nous les raisons qu'on a dans l'arrière à la terre. Les raisons multiples, les raisons qui fait dans la rue. Donc, parce que si on monte sous l'hôpital général, on voit que ce soit l'hôpital qui est paralysé, qui pratiquement inexiste. Ça parce que nous pas travail, pas de train, pas de matériel, nous pas qu'à vivre nous-mêmes. Parce que nous avons toujours maintenant question médecin. Donc, médecin qui l'argent, mais non, nous pas de l'argent. Parce qu'il faut vivre tout. C'est là nous nous restons dans l'hôpital, la résidée. Donc, frère, non seulement nous pas nous manger, et ceci, on prend 6 mois pour nous, pour faire par exemple. Et même là encore, on dit que c'est pas payé à payer nous normalement, et puis on retire pour la dedans encore, on retire taxe. Donc ça veut dire, nous prenons l'arrière pour demander bonnes conditions de travail, nous prenons l'arrière pour demander pour nouveaux bâtiments reconstruits, pour finir avec net, pour nous. Nous prenons l'arrière pour demander meilleures conditions nous-mêmes tout pour nous vivre, parce que pour nous pour nous fonctionner, nous avons famille tout. Donc c'est ensemble de revendications qui permettent de prendre l'arrière.